want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Attends, j'étais pas prêt. Il tabasse plus vite que son ombre. Oh mon dieu! On est de retour, bien sûr, sur Gaming TV pour le qualifier des Underdogs. Et on est parti dans un petit TVP entre Uzikoti et Lind. Et j'ai retiré cet underscore de mon ID Twitter. C'est pas grave, ça arrive. Eh oui. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Qu'est-ce que tu compliques ta vie, putain? J'en ai marre. Si tu casses les pieds, je vais te défoncer. Pas mal. Eh bien, c'est parti, mon petit Rock. On va aller in-game, parce qu'en haut à droite, nouvelle team, Gotteron Esports, remplaçante en quelque sorte de Rogue, enfin bon, RODG. Ouais. Il s'agit d'Uzikotix. Tandis que en bas à gauche, pour la team Nuit Blanche, la fameuse, il s'agit de Lind. C'est pas une team de pain, ça, Nuit Blanche. Ouais, il y a eu 2-3 cons qui sont passés dedans. Mais non, mais si je parle de toi. Enfin, entre Imre et toi, ça reste quand même une putain de team de pain. Oui, bah, c'est pour ça, c'est ce que je disais. Quand j'ai dit qu'il y avait 2-3 cons qui sont passés dedans, c'était moi y compris. Ah oui, d'accord, c'est bien alors. Non, en fait, j'ai cru que tu me faisais une réponse. Genre le mec défend sa team un peu, tu vois. Non. J'ai paniqué, je me suis dit non, mais par contre, je déconne en fait. Nuit Blanche, c'est fine, tu vois. Hop, c'est des good guys. Donc voilà, Gotrin qui se sont acheté un petit Namchar quand même. Hein. Ouais. Comment avoir une line-up sympathique quand même, hein. Ça, bon, Denver c'est pas ouf, mais wow. Namchar, ça... un gros bisou à Danvé. Danvé, bien sûr. Très marrant, Danvé. Moi j'aime bien. Qui a l'air d'avoir bien sympathisé avec Clem. Hein. Oui, oui, ils ont fait coloc et tout ensemble. Maintenant c'est le grand frère et le petit frère. Vraiment, ouais. C'est aussi con que ça. Hein. C'est les deux doigts de la main, quoi, tu vois. Il en manque 3 du coup. C'est bon. À venir peut-être. Gros papa, grosse maman et mademoiselle A, et voilà, ça fait 5. Tac. Tac. Problème. Le compte est bon. Problème résolu. Allez, ici du coup, pour l'instant, on est sur du semi-classique, hein, parce que bon, mine de rien, on s'est permis un réacteur avant la moindre unit, sans avoir scouté la map, ce qui est quand même une forme de greediness, on peut se le dire. Et on a stop la récolte de gaz en fait. Ouais, ça va être des hélions. Donc c'est assez marrant. Deux marines puis deux hélions. Ouais, je pense que ça va être ça et into un phase 3ème CC, hein, je pense, vu que du coup... Ça dépend quand on reprend, ouais, mais je pense que... Tu vas pas pouvoir débloquer... Enfin, vu que tu ne peux pas débloquer ta tech, je pense que tu vas essayer de rajouter un... Un Jean-Claude. Deux Jean-Claude. Et un troisième. Que deux. Intéressant. Ah mais c'est même pas un facto du coup, c'est une... Ah mais merci, une Rax, mais on est complètement pété nous. Complètement. On est les pires casters de l'histoire, désolé pour ça bien sûr. Hop. On vous prie de bien vouloir nous excuser. De la gêne occasionnée bien sûr. Et pour le moment chez Lind, on part du coup avec petit tracker en premier, Wargate et la robot. On va pas aller chercher d'oracle. Et c'est cool comme BO là pour le coup. Obus incapacitant. Uzikoti qui vient souvent avec des petits BO quand même bien tricky et bien à lui. L'obus c'est son upgrade, hein. Ça c'est clair que l'obus ça lui plaît. Et du coup... on parle pas de nichon. Pour ceux qui auraient des doutes là, pour les 2-3 du fond on les a vus. Les deux qui écoutent à moitié là. On t'a vu toi. On t'a vu. Concentre-toi. Bon alors. Tu push. Mais quand? À la fin? Ah non non. Enfin pour l'obus. Oh, un Adel Kratos. Ah, il faut pas que le Marauder il arrive à target. Non, malheureusement, l'obus n'était pas terminé. Mm-hmm. Mais ça reste un adepte pour un marine. Et ça, c'est un bon trade quand on est Protoss. Quand on est Terran, pardon. Et du coup, on y va. Alors, très intéressant ce push parce que dans la version du Clem Spadon qu'on vous avait montré en tuto, tu faisais un truc un peu similaire, un peu sur le même timer, mais petit peu plus tôt, mais avec deux Marauders et un marine. Le problème, c'est que l'oracle est sur la map et te tue tout. Tandis que là, en fait, t'as les 5 marines qui sont nécessaires à la lutte contre l'oracle en final. Et qui vont être beaucoup plus compétitifs contre une shield de batterie aussi. Qui rentrent pas dans le cadre de cette game, hein, bien entendu, mais qui malgré tout vont bien faire la diff quoi. Hop, on a 3 ou 2 trackers à la zone, mais pas de défense statique de la part de Lind, alors qu'il a vu le push, what the fuck. J'avoue que je comprends pas pourquoi il n'y a pas une petite shield batterie. Bah ouais, tu peux moins besoin d'unités. Hop, ok, ici on va trade, on va se débarrasser d'un adepte, bientôt d'un deuxième, il n'y a déjà plus de marine. Ok, finalement le choix de faire des unités au lieu de faire des bâtiments défensifs a complètement payé. Ouais, malheureusement il manquait quelques unités encore. Hop. Us. Oh le sniper. Terminé. Après les bons trackers qui font bien mal.
quelques unités blindées. Donc, les maraudeurs. C'est lui qui s'énerve. Je vais passer ma haine sur cette rocasse. Lui je dis, ils sont chelous quoi. Du coup il va avoir le steam assez rapidement avec ce build order. Ouais aussi. Et ça, en fait ça transfère sur une forme de 2-1-1. Ouais. Assez. Je trouve ça sexy play. Ouais, je trouve ça rigolo aussi. Après je sais pas ouf parce que ça part colosse. Malheureusement, c'est pas des big stalkers. Le colosse, bon, ça va remettre un petit stop. Même si ça sera moitié marine, moitié maraudeur. Ah, honnêtement, je sais pas, faut voir. Genre, c'est assez dur à conceptualiser précisément. Mais voilà, on va avoir grosso modo une cinquantaine de secondes de retard sur un coca build. Normal. Mais en étant passé par un petit push entre deux. Donc c'est cool. J'aime bien. C'est une petite variante supplémentaire à voir. Après. Ah, et en plus, on a payé l'IB. J'avais pas vu. Je me demandais justement si on allait enchaîner sur la double IB. On va avoir le plus 1 d'attaque pour son prochain push. Oh, Uzikoti, je suis fan quand même. La capacité qu'il a à créer des BO. Ouais. Vraiment, ça me parle quoi. Allez, vas-y, snipe-moi cet abs devant là. Voilà. Merci. Attends, d'ailleurs, on a trop d'unités. On peut pas mettre tout le monde. Ah, dommage. En plus, il a 2 maraudeurs. Bon, il en emmène quand même 3. C'est pas mal. Et tu fais un deuxième push, hein, j'avoue, tu cliques droit ici et tu cliques la B1. Oh l'ultralisque. Joli. Andor, bien sûr. Est-ce qu'il a lui ? Il a pas fait de tournoi ! Il a pas fait de tournoi ! Nul. Alors, le petit pylône de. Il est de... en place nulle part pour l'instant, Lynn. Hop. Ouais, mais en tout cas, il est pas dans sa main, donc on va se débarrasser de ses infrastructures. Est-ce qu'on va s'étaler pour. L'économie et les workers, pour le moment, on va se débarrasser de 3 bases. De 3 bases, on peut peut-être pas abuser quand même. 3 pylônes. Ouais. 3 pylônes qui vont désactiver énormément de gates. Va. Oh, tu t'en vas et tu te reposes là. Là, tu te reposes là. Ok. Les colosses. Oh, c'est en run by ici, c'est dommage. Ouais. Ça pourrait déjà être dans la B3 là. Ouais, belle anticipation de Lind, du coup. Mais dommage hein, que ce groupe d'armées il ait pas été sur l'autre B3 du coup. Il y avait une chance sur deux. C'est ça. Mais qui est la plus classique, c'est celle-là quand même. Oui, quand même. C'est un peu trompé ici le joueur de chez Guthrun Eastward. Bientôt 2 ans. Pogchamp. Bientôt 2 ans. Hop. Ici. Est-ce tu n'es pas trop jeune pour être réveillé à cette heure-là. On a mis le Medivac dans le tank, dans le Medivac, pardon. Finalement, on l'a laissé sur le low ground. Tu lui réinterceptes le bio. Ouais, c'est pas mal, tu vas prendre les 2 trackers. Oula. Directos ici. Tu vas te faire burst, mais pendant ce temps-là, la B3 est complètement mise à mal pour Lind qui va la perdre. Ah non, là il lui fait vraiment du mal. Oh, il lui fait vraiment du mal. Hein. Oh là 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 là, c'est des Zélos sans la charge. Hein. Ils sont un peu nuls, ils sont pas très compétitifs. Ah, je vais essayer. Le bon circle par les probes. Est-ce qu'on remonte dans le Medivac? Oui, c'est ouais, bien fait. Tu trop juste... drop là. Hein. Ouais, tu te mets bien là. Oh là là. Mais il part en trait de base. Il en a plus rien à foutre, Lind. Il sait qu'il est dépassé. Bon, la game qui va se conclure très vite là. Hein. Attention quand même, parce que les deux colosses ont la terre volante. Donc ça, ça fait bien mal. Est-ce qu'il y a des vikings? Il y a 2 vikings. Il y en a 2. Eux, ils peuvent save the day. Bah, ça dépend s'il y a de la bio pour temporiser. Est-ce qu'on remonte pas dans la main en mode dans le doute, je vais quand même me mettre sur le low ground. Non, mais là, tu soulèves ta B3, regarde. Enfin, franchement, là, la game, elle est facile pour Uzikoti, hein, je pense. Il y a des forces field. Il y a des forces field qui auraient pu gérer la bio, mais c'est vrai qu'il a joué des vikings. Ici, on a un deuxième tank qui sort. Ça va complètement faciliter. GG. Ouais. Excusez-moi, il fallait que je rewind. Non, tu peux faire un B là. Ah ouais. Aussi. Ah non, pardon. Non, c'est maintenant le jeu. Ouais. On va regarder Rapidos. Il a testé en fait, c'est ça? Je le pense pas. Merci. Si, il a testé, il a pris un shot de temps qu'il a fait aller. Hop, ça dégage. Hop. Ce build order. Qui est pas mal, hein. Ouais, qui marche vraiment bien. Qui est intéressant, qui est cute en fait. Tu vois? C'est un petit peu. Comme un petit bouquet de muguet le 1er mai, tu vois. C'est mignon. Merci David Topoche du Raysub pour 5 mois. Non, parce que du coup. Non, mais commence pas à vouloir argumenter, le muguet c'est cool. Oui, non, mais le muguet c'est cool, mais en donner le 1er mai, genre c'est banal, tout le monde fait ça, tu vois. Ça aurait été un 2-1-1 là, ça aurait marché. Mais là, je sais pas, il a pas fait un 2-1-1 classique, il a fait son petit push avant. Non, malgré tout. Faut trouver une autre chose. L'intention qui compte, tu vois. C'est pas parce que tout le monde le fait que voilà, tu vois. En plus, déjà tout le monde le fait pas. Ah, c'est-à-dire qu'il a donné, tu le fais, toi, il a donné du muguet. T'as acheté du muguet à ta maman et cette année? Une boîte de chocolat. T'as acheté du muguet à ta maman cette année? Non. Bon, bah, tout le monde le fait, voilà. Tu vois, super. Tu l'as acheté à quelqu'un en Allemagne? Non. Bon, bah voilà, moi non plus, je l'ai pas fait. Voilà. Tout le monde le fait, c'est mytho. Il n'y a que les papas à qui la maman met la pression qui le fait, hein, en réalité.
Mon daron, il prend une pression de ouf, hein, le premier. Et moi, genre, qu'est-ce que je fais ? Tu vas aller me chercher du muguet, toi ? Tout de suite, hein ? Allez, accélère, poulet. Comment ? Mais je suis pas douché. Tu sors le muguet ! On est qu'un zéro ! Putain ! Le premier ! Fucking me ! Bon, allez, ça part une game. En haut à droite, en bas à droite, pardon, pour côté en e-sport. Ouh, Zicoti. Dicotax. Et en haut à gauche, Team Nuit Blanche, c'est Lind. Pas confondre avec Lint. Eh oui! Ce n'est pas un carré de chocolat. C'est un joueur Protoss. Genre, tu sais, après, je vois bien, genre, dans, t'imagines, genre, je sais pas, genre, tu dois essayer de reconnaître qu'est-ce qui est Protoss et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et genre, tu vois un carré de chocolat. Protoss ou pas Protoss? Hein? Alors, tu stresses, hein? Mais putain, t'es pas bien là, hein? Genre, merde, j'aurais dû réviser! Je suis pas prêt! Bon, alors... Peut-on avoir la même chose pour Zicoti ? On va savoir en fait s'il récolte plus de 50 de gaz. C'est ça. Hop. Ici, on a eu deux gaz rapides et une propre sur la map. Hein. Donc, Lin qui est pas là pour enfiler des perles. Hein. Lin qui veut venir batailler un petit peu contre son adversaire assez tôt dans la partie. On va poser un cyber ici et ensuite ça sera un pylône en proxy. La question sera, quel bâtiment sera proxy ? Est-ce que tu go Stargate? Pour moi, ça c'est une Stargate. Avec des shield batteries. Et ça c'est shield bat. Yes. Je suis d'accord avec ça. La batterie shield d'ailleurs. Parce que. Fucking batterie shield! Attends, il dit quoi Anos? Parce qu'Anos il le dit mal, non, justement. Batterie shield. Fucking Zergling. Shield. Ouais, c'est shield ça. Batterie, non? Il dit batterie shield. Batterie shield! Fucking Zergling! Et justement, c'est des shield batteries en fait. Le bon terme. En ouais, anglais. Mais... Et Funka il m'avait dit en Nation Wars, il se foutait un peu de sa gueule, les mecs ils disaient « Ah bon, tu le dis à l'envers ?» Ça n'a aucun sens. Ça arrive. Oh, s'il le scoot direct. Oh, il le scoot direct. Coucou. Oh non, ah, mais t'avais le clic. Mais... Oh non, c'est terrible. Oh non, ça c'est terrible ça. Oh, comment j'ai mal à mon Terran là. Parce que là, en vrai... Bon, après il a le bon BO. Il fait un 1-1-1 avec une deuxième Rax rapide. What? Oh là, le vieux rally point par contre là. Oh. Et y a pas de petit profit, ok? Bon là, il a vu qu'il y avait pas de B2, donc tu sais. Ouais. Tu sais qu'il y a arnaque. Y a Anguille sous roche. Mais pour autant. Tu vois le tracker, tu sais. Tu sais pas, tu vois, parce que. Pas B2. La force d'un no-line proto, c'est que tu sais pas forcément ce que c'est. Bon, alors lui, il est encore plus aveugle. Il est encore plus duper que le Reaper, hein. Oh, c'est terrible, putain. Et il fait des. C'est le BO du vomi, ça. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi TK il me l'a pas fait dans notre rencontre. Parce qu'il trouve aussi, que c'est il nul. Il l'a testé sur Biogenesis, ouais. Il trouve que c'est nul, ça? Ouais. Pourtant, moi, à ce moment-là, il m'a dit « Ouais, je fais ça en ladder, trop fort et tout. » Et moi, je trouve que c'est fort. Ouais. Ça fait surtout face à des lions. Ah bah, très clairement, les lions, ça tire pas trop en l'air. Les petites, oh, le mine du mec du père. Et il fait un maraudeur. On a toujours pas compris comment taper le Void Rail à côté Uzikoti. Oh bah, tu en vois, là. Regarde. Salut! Est-ce que c'est pas GG? Est-ce que tu passes un bon moment? Non, parce que le Void Ray ça va encore. Bah, un Void Ray, c'est chiant. Il va te supply block et te. Oh ouais! Oh ouais! Ah, go big or go home! Oh, attention! Oh, il est pas dessus! Il est pas dessus! Kill! C'est pas dessus. Hop! Alors, redéterre les mines, remets les liens. Y a plus qu'un seul marine. Oh, j'ose ce qu'il a pris. Attention, le bait dans les mines. On répare. Ouais, il va y mettre des batteries là. Oh, c'est dégueulasse. Mmh. Oh non, 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 non. Chez toi, c'est chez moi. Bon, après. Oh. Oh, il se trompe un peu là dans ses clicklind. En vrai, ça va peut-être tenir. Hein. Regarde les mines qui sont mises dans un bon spot. Et là, t'as les deux cyclones. Et regarde là, tu verrouilles. Non, mais là, c'est le cyclone la bonne unité, c'est pas le starport. Bah, tu kites les vikings aussi. Hein. Ouais, mais ouais. Encore plus avec les. Les vikings c'est quasi impossible et si tu te trompes et que tu rentres en range t'es mort. Ah déjà prendre la propre c'est un bon bail. Non. Ah non. Attends, Goldorf, oh. Tu peux attaquer, t'es obligé de le réparer. Tu vas avoir deux cyclones. Mais là il positionne ses mines, honnêtement. Moi j'aime bien la situation du cyclone. Je trouve que c'est smart ce qu'il a fait avec les mines. Pour moi là tu vois du coup tu ressors. Non non il se trompe. Ouais mais il se trompe trop sur ses clics là. Pour moi ouais, le cyclone du coup ça marche pas. Il a laissé son CC. Ah ouais non là Zicoti il est full du père. Parce que ton cyclone il attaque, tu sors de la range et ensuite t'as juste à contre-attaquer parce que t'es en CD et ciao ciao. Au revoir.
Et là du coup je sais pas, t'envoies un adepte, t'envoies du monde tanker les mines. Ok. Ouais, mais yes. Là il est supply block. T'as payé tes 4 manches dans les chines batteries, non, je pense que c'est perdu pour le joueur terrain sur celle-là. Ah ouais. Le jeu qui ne sait plus trop où est-ce qu'il en est. Même Gamehart il fait oh putain c'est violent quand même ce qui est en train de se passer, je vais cacher quelque chose là. Peggy 18. Ouais non là il s'est trompé Lynn quand même. Musicoti, notamment sur la micro. Je pense qu'il y a eu des échecs. Oh non, c'est bien fait ça. Oh. Allez, go. Click. Click. Ok. On recule le void ray. Ouais, une autre mine. Allez, zoom. Hop, GG. IB, dis donc. C'est sympa de dire GG. Hein. Tu peux dire GG sans le penser. Tu vois. En mode genre, c'est les conventions. Est-ce que c'est pas le pire ça? Non, parce que tant que tu le dis pas, il n'y a que toi qui le sais. Tu sais, ne pas avoir de race. Si personne ne le sait. 146 APM, Lynn. C'est le protocole. Qui est capable de monter à 300, hein, mais là, il ne s'est pas forcé. Oh, voilà, et une main. Sur ce BO-là. Tranquille. Il n'a pas spammé. Hein. No need. Hein. Il a fait les bons clics. Il n'a pas perdu de void ray. Bon, il y a des gens qui sont en train de faire un AVC ou pas? Hop. Ah, t'es quel kiffé. Je le fais une fois de temps en temps. C'est fort. Si t'es scouté tard. Ouais. C'est vrai, ça. Putain, t'as le groove, toi. T'es groovy de ouf, toi. Allez, rapido. Hop. J'ai un câble, là, depuis tout à l'heure, qui fait chier, mais je sais pas ce que c'est. Le débranche pas, dans le doute. Dans le doute, tire pas dessus, ouais. Allô. Hop, c'est une fin de live. Hop, fin prématurée. Voilà. Nos deux joueurs qui sont Grandmaster. C'est ça, tous les deux top... top Europe. Et c'est un partout. C'est parti. En haut à gauche. Pour la team blanche, il s'agit. Oh merde! On était pas loin. Du coup, on fait le deuxième essai ou quoi? Non. Okay. En bas à droite, pour côté en e-sport, Easy Coty. Comment tu m'as pourri mon goal là? Désolé. C'est pas grave. Mais non, mais faut pas recycler, ça tu repousse. Vois. Faut pas recycler, tu le sais. Bah, si, en fait, faut recycler. Qu'est-ce qu'il dit lui? Pas les bonnes. Ah! Je l'ai précisé, hein, attention, il faut être écolo dans la vie. Petit coup. Attention, petit trax. C'est vrai que du coup, c'est plus moi le plus jeune, t'as quel âge toi là? Bah ouais, moi j'ai 22, c'est moi maintenant le. Ah, si tu es Brand Taro. Voilà. C'est super, on passe un bon moment. Étudiant, jeune. Je me caste. Voilà, sans poil en plus, c'est bon là, tu me prends tout mes rôles. Ouais, oh, je me suis rasé. Tu me prends tout mon job là, c'est génial ça. C'est bon. Moi c'est bon, j'ai du poil, plus étudiant, en CDI. Appelez-moi Coca. C'est bon. En fait, c'est bon. C'est gagné. Il n'y a plus qu'à GM et plus personne pour rien peut me faire chier en fait. Je suis sorti de la malédiction. Ouais. Oh, il va lui mettre une deuxième gate. Oh, ça c'est la deuxième gate, ça c'est Zest. Ça c'est Zest tout. Pouf, deuxième gate. Boum, le cyber. Boum, le gaz. Ou non, même peut-être. Si. Le deuxième gaz, t'es sûr? Non, je pense qu'en vrai, t'as peut-être pas besoin du deuxième gaz. En tout cas, le bon cyber, ça, bien évidemment, tu vas en avoir besoin. Pour faire des stalkers. Stalker. Il l'a fait. Ah non, j'ai. Je crois qu'il était pas dans le groupe de GSL, mais c'était dans le groupe où il y avait un Ryong aussi qui se prend un proxy gateway. Ryong il se prend, il joue Hurricane. Non, Young il joue Hurricane et Raynor derrière. Donc Ryong c'est forcément Hurricane qui lui fait ça. Du coup il s'était. Attends, c'était Hurricane? Ouais. Non, Hurricane il était dans le groupe de Hino. What? J'ai un doute c'est... de fou. Ah, mais c'est. C'est qui le troisième? C'était le classique. Mais non, c'est classique, Ryong, Raynor et c'est qui le troisième? SOS. Ah, SOS, ouais, c'est ça. Hop. Et c'est SOS qui lui fait l'amour à Ryung. Oh, ouais, c'était d'une violence. Tu vois le Zilot en premier qui ne daigne même pas finir le VCS. Donc tu te doutes bien. C'est annulé, ça c'est très bien. Que c'est la de mer. Ah, il refait le BO de la game 1. Ouais, mais cette fois on a repris la récolte de gaz du coup parce qu'on va. Non, avoir... pull pas tout. Non, on lui donne pas de SUV pour rien. Tu fais pas ton Algos. Comment? Hop. On va remonter dans le bunker. C'est lui le nid blanche, c'est pas toi. Hop là, on va commencer du coup à taper sur les marines, mais du coup, oh, ça va. Tu vas réussir à finir. On répare les petits copains, mais voilà. Mais qu'est-ce qui est en son beau lui aussi? Okay. Ah bah, il l'a bien tendu sur la fin là. Hop. Il se fait percuter par une bagnole. L'usine qui du coup est posée en pause un deuxième bunker pour Zikoti. On pourra le recycler au cas où on aura juste perdu 25 de minerai. C'est vaut mieux être précautionneux sur ce genre de playstyle. C'est ça. Là, Uzi, il faut qu'il aille sur la B2. Il faut absolument qu'il voit le Nexus. Il ne le verra pas.
Oh, il va rien comprendre à la game. Non, il va rien comprendre à la game, Algos. Si il claque un scan, mais comment ça me saoule. Comment c'est nul. Oh non, il va se faire camp là. Puis quand il va traverser la map, il y aura 2000 de pop. Au moins. Tu fais quoi? Tu fais un cyclone? Une pauvre mine parce que t'as lancé un starport. Il va aller tromper de la mine. Oh, elle est dure cette game, Uzi là. Attention, attention à pas s'empaler, ceci dit, dans les bunkers. Mais bon, bah, pas de B2. Pas de B2, hein. Oh, en plus, il va voir l'île, il va faire. Lul, il est où le CC? What? Ah oui, il accepte pour. Pour scout. Pour voir. Oh, genre, t'es sérieux là? Non, mais mec, c'est quoi ces infrastructures là? Il va même prendre le VCS. Ça, c'est la Chine en 2000. Hop! En 2002, quoi. À l'âge de pierre, en gars. Oh, la petite mine, elle est allée choper quelqu'un. Ah non, elle a tiré sur. Sur quoi? What? Elle a tiré, mais elle a zéro kill. Alors, Sam. Shade? Hein. Enfin, genre. Une unité qui se faisait warper, peut-être? Ah! Mais non, y'a pas le Warpgate. Mais. T'en fais un Shift L pour voir les unités. Ouais. Il a tiré sur un SCV. Aucune idée. On ira voir tout à l'heure. Honnêtement, je suis archi curieux de comment elle a utilisé son shoot du coup. Hop, on va en tout cas commencer à descendre la rampe pour essayer de détruire le contain de Lynn, mais qui lui en tout cas s'est envolé à la pop en mode sky is the limit, 34 probes, je suis bien, mes petites infrastructures. On est vraiment bien bien derrière pour Uzi Cote. Oh, elle est terrible cette game hein, pour Uzi Cote là. Faudrait qu'il pose deux CC d'un coup pour avoir la triple mule pour espérer revenir. Ouais, mais en fait en faisant ça le problème c'est que. Bon après il a déjà les infrastructures donc ça c'est cool. Il a déjà pas mal de bâtiments de production à la maison. Ça c'est important. Oh, ils s'y mettent à deux pour aller plus vite. Non, c'est pas les humains dans War 3. Mince. Oh, 10 points de vie à ce. Oh, il doit péter un câble, Uzi Cote. Surtout qu'il est là, quoi. Ton armée, elle est là, il y a une petite batterie shield en prod là. Il n'y a pas encore le. Une shield batterie. Il n'y a pas encore le steam, pas de bouclier de combat, c'est nature, tout ça. Il y a que bon gardien de shield, il y en a beaucoup de trackers. Hop. Oh, je pense qu'on part sur un GG là. Ouais. Là, c'est refusé. Vous dites. Bon, il va jouer la game, hein. Mais. Là, c'est tu commences le marathon et tu te rends compte que t'as mis tes chaussures à l'envers. Tu vois, c'est... Oh putain, merde, je suis pas bien là. Ça va être compliqué de la finir cette run. Ouais. Une ampoule, hop. Au bout du deuxième kilomètre. Et une crampe, au bout du troisième. Parce qu'on est vraiment chanceux aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment pas en forme. Hop, est-ce qu'on essaie de choper la proxy, le proxy portail? Il sait même pas où c'est, regarde, il est passé juste à côté. C'est immonde. C'est un peu comme le Reaper qui ne voit pas le proxy, la proxy Stargate, là on voit pas. C'est terrible, bah attends, en vrai ça. Au pixel, c'est bizarre. Hein. Je pense que ça a été posé après. Je sais pas. On cadrera le replay encore une fois parce que là j'ai beaucoup de questions qui se posent dans ma tête. Il va traverser la map. Il a un prisme. Du coup, il va avoir 5 gates. Ouais, 5 gates. Ouais, il y en a 6 même. Il y en avait une qui était pas encore ouverte. Bourrinator quoi. Ici, regarde s'il n'y a pas un bâtiment aussi. Bon, allez. Cette game, c'est un enchaînement de bad luck pour Uzi Cote. Attention, est-ce que c'est vu? Non, ça va, c'est pas vu par l'Ops. Il y a le blink en plus, hein. Oui. Ouais, il y a le blink et la prisme. Donc autant te dire que si Lind est énervé de la micro-gestion, il ne peut perdre aucune unité. Bah, t'y vas là. Blink. Ouais. Oh là là. Oh, lui, il vient de découvrir les pogos, quoi, tu vois. Il était pas prêt, il y a un tank en position, mais avec le prisme, est-ce qu'on envoie pas des trackers pour aller le chercher? Oh, ok, on va juste prendre la vision. Et on sauve les bons trackers, et pendant ce temps-là, les deux medivacs du Zicotti. Ils sont revenus. Ils sont revenus parce qu'on a sans doute peut-être fait un F2. Parce que je pense qu'on a jugé aussi qu'il fallait des unités à la zombie. Hop. Je focus le CC. Ouais, ouais. Oh, il warp des zélotes, je charge. Mais ils ont pas la charge. Ils ont pas encore la charge en plus. Mais ça ah, il est all position, ça c'est bien fait. Hop. Oh, le blinking. Oh. Oh, par contre, il va en mode cochon là, il donne tout. Hein. Ouais, il donne tout. Ok, on a sauvé les bocons. On aurait peut-être dû attendre la charge quand même. Il s'est un peu enflammé, mais bon. La charge va se finir là, il va se retourner avec du warp de zélote là. Il n'y a pas de 3ème CC, hein, 40 ouvriers à 21, mais pas de 3ème Nexus pour autant pour Link qui est un peu slack à la macro. Là tu warp 6 zélotes. Bon, je transforme ça. Tu peux l'ouvrir d'ailleurs. Mec, c'est tout rouge. Tout rouge.
comme les Apaches. Ouais, c'est ça. Et les Apaches, ils sont morts. Coïncidence ? Je ne crois pas. Quelle horreur. Attends, le mec. Ouais, bon, après, il y a Jean-Michel et la team qui débarquent. Putain, ça t'a retourné ce que t'as dit. Je... Oh. Salut. Ah, t'as connu pire, quand même. Je m'appelle Al-Ghost. Biggie 18. Là. Hop là, si tu prends les Medivac, ça va être compliqué. Surtout que maintenant, cette fois, il y a la charge. Surtout qu'il va avoir Pella, Lul. Gateway qui est même pas ouverte, c'est genre c'est ça. C'est un peu limite de la provoque. Didi. Oh, c'était une violence. Damn. Il lui a roulé dessus. Alors la question c'est, est-ce que Yogo il est passé? C'est ça. Écran les scores. Plus de 32 minutes. Ça me paraît beaucoup. Bon, il ne s'est rien passé sur l'écran de Yogo depuis tout à l'heure. Netsmarch sous le spirit contre Reinka. Mais parce qu'en fait Yogo il est en quart là. Ah mais oui, il est en quart, c'est pour ça. Bah oui, c'est le troisième match. Ok, ok. Donc là... On a fait le dernier, nous. En fait, il nous reste deux BO3. Parce que Shino Ino s'est déjà joué. Ouais. Et on n'a pas regardé le replay. Ah merde. Ouais, t'as raison, vas-y mec, on va le regarder tout de suite par contre. Hop. Parce que ça... T'es dans des GSL, il faut revenir là. Yep. Scrooge. C'est celle-ci. T'as double-cliqué, t'as plus de temps. Tida, bien sûr, pour temporiser. Donc déjà, le scout au début. Pour voir s'il voit la gateway, tu peux nous mettre notre écran, mon bon Rock, que tout le monde en profite. On regarde en full speed, hein. Non, mec. Il va y avoir un bug de vision un peu hardcore. Ok, il passe pas. Ok, bon, le prochain truc c'est la mine. Parce que c'est la mine qui va. Mine ? Qui va te taper sans rien tuer. Tac, 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 la facto. Facto qui fait la mine. Tac, elle arrive. Voilà. Celle-là, là. Elle, elle va faire un truc. Qu'est-ce qu'elle fait dans le... Parce que ça tue un stalker, ce watch. Oh. Ouais, ouais, c'est le bait, mais... Ah non, mais... Ah, mais elle meurt, ok, ça meurt par les... Elle meurt sur l'aide, d'accord, ok. Nettement moins fun. Et, oui, un peu moins épique, clairement, on peut le dire. Et après, là, il fait les deux Medivac, et en fait, c'est les Medivac qui vont cross, là. Je pense. Ouais, il part... Il part au nord. Il part par là. Attends. Il le verra jamais avant, avant la toute fin, hein. Mais par contre, mec, c'est chelou. Hein. Ouais, je pense. Hein. Bon, je crois que. Je pense que c'est parce que c'est proto. Ça serait un bâtiment Terran, on l'aurait vu. Hein. Je veux pas faire le mec, mais ça, à mon avis, un triple Rax, l'over, il le voit hein, sur un pixel comme ça. Hop. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je suis à chier. Je rigole. Je sais pas si t'as accès à la soundboard Mon Rock. Je sais que c'est Cosby souvent qui l'a, mais je sais pas s'il fait croquer les autres réals. Non, je pense que Cosby partage pas son talent. Partage que, putain. T'écoutes. Va falloir faire un truc pour le dick. Le toc, à chaque fois que ça cut hein, les micros là. Bon, moi ça va. Genre Rocky, Rock il nous parle et en fait à chaque fois ça fait tic, toc. Dès qu'il raccroche. Elle est pas droite ma bouteille là. C'est pas du placement de produit. Non, non. Que je peux boire. De toute façon, j'aime pas leurs bouchons. Ouais, mais non, c'est vrai que. Ça se remplit tout le temps dans mon sac, ça se vide. Ça t'est arrivé? Ah ouais, deux, trois fois déjà. Moult fois. Ouais. Bah, enfin, pas pour moi, mais pour toi apparemment. Deux, trois fois, ouais, ouais. Non, t'es là, tu découvres. Voilà quoi. Donc, oui, tout à fait, Lind est qualifié. C'est ça. Lind est Shino pour le moment. Et du coup, on va avoir Soul Spirit contre Reinka et ensuite Dr. Yogo contre. Petit Yogo et King Kong. King Kong. Donc deux BO3 encore. Voilà, il est 21h22. Est-ce que le temps passe plus vite ou pas? Ah bah, franchement, ce terrain qui se fait abuser là, ça m'a pas fait passer le temps vite. C'était des games assez courtes mais ça assez m'a fait intense. Du mal. Mal à mon dominion. Ah, et deux secondes, je mets ça sur Twitter. Régale-toi, mon bro. Vas-y, vas-y. Hein. Toi aussi, t'as l'air de te régaler. Arrête, je suis pieds nus là, je suis bien, hein. Franchement, je suis bien. Tu joues sur quel clavier toi? J'ai un Leopold Switch bleu. Ah, tu joues avec des Switch bleus? Mmh. Ok. J'adore les bleus. T'aimes bien quand ça fait du bruit? Ça, j'aime, je trouve ça un peu trop dur. C'est des marrons ça? C'est des roupes. Ok, je suis daltonien. C'est des Switch marrons ça? Posez la question quand il y a toutes les touches, tu sais. Ok, la texture, on peut pas toujours savoir quoi. Ouais. Mais là, enfin. Oui, bah c'est bon, là, les gens ont compris.
Là, c'est des ouais, rouges. Je trouve que ça. Et les rouges, ils sont. Il y a trop de résistance, je trouve. Ils sont plus résistants que les marrons, les rouges, ou pas? Je crois que c'est dans l'ordre, c'est rouge, marron, bleu, ouais. Ok. Et noir est tout en haut. Noir étant le plus résistant. Moi, je crois que j'ai des marrons sur mon clavier. Hop. Il faudrait peut-être que je pense à en changer. Je me tâte à prendre un clavier sans pavé numérique. En fait, c'est pratique, c'est esthétique. Mais quand t'as envie de taper des chiffres, c'est chiant. Parce que t'es là, tu fais. Ouais. C'est vrai. C'est chiant. Mais après, tu prends l'habitude. Pour écrire les mots. Non, le vrai problème du Léopold, c'est qu'il n'y a pas le supérieur et l'inférieur. Oui! J'ai vu ça. Donc, du coup, tu peux pas faire des petits cœurs. Ou tu peux pas dire EU supérieur à ENA. Et moi aussi, je sais que j'aime bien les repose-poignets. Mais je crois que ça n'existe plus, les claviers avec repose-poignets. Oh, quel horreur, le gosse. Ouais, bah, mais qu'est-ce que tu veux? Les repose-poignets quoi? Poignets! Les repose-poignets! À l'époque de la Pro League. Les intros. Ouais. C'était lourd. J'ai jamais casté ça, putain. Qui ça? Moi, j'ai jamais casté la Pro League. Plus jamais. Moi, pendant 2 ans. C'était bien? C'était cool. Ah ouais, ça m'étonne pas, putain. Pourquoi il n'y a pas de Pro League, là, les gars? Formez un petit... Formez une Pro League. Associez-vous. C'est une petite Team League de pro-joueurs, là, s'il vous plaît. Moi, je sais qu'on appelle ça les Nations Noires, mais... Là, on retire le pays, enfin la condition du pays. Vas-y, voilà. Creuse encore un petit peu, je pense que tu vas trouver du pétrole bientôt là. Yes. Bah, premier cast avec Coca, bah, putain, c'était comme ça. Mais tu le sais, parce que déjà hors cast, je suis comme ça. Oui. Je te taquine. Ah. Ouais, je me suis dit, peut-être que là, tu vas être plus sympa. Il y a des fois, le gosse, il m'a littéralement dit, s'il te plaît, arrête de me massacrer comme ça. Je fais, pourtant, je fais... Fin... La classique standard, quoi, tu vois, genre, ouais, ça va, là, je... là tu prends pas plus cher que les autres, hein, le gars. Ah, ok, c'est super. Juste voilà. Maintenant, c'est moi le souffre-douleur. Je suis doux avec toi en vrai. Avec Funka, c'est beaucoup plus agressif. Bah, c'est normal, avec Funka, vous connaissez depuis 1860 aussi. Donc, il commence à y avoir un petit peu de bouteille et de passif entre les deux bonhommes. C'est vrai. Donc, beaucoup de passivité chez Funka d'ailleurs. Mais. Tu l'as vu avec ses nouvelles lunettes? Ouais, je kiffe, il est magnifique, putain. Tu sais que j'ai eu envie d'aller chez l'opticien. En fait, j'aime beaucoup les premières, les deuxièmes moins. Les premières avec vraiment la toute petite fine truc là. Ouais. Oh putain, je les ai vues, je fais, mais je vais chez l'opticien, j'achète les mêmes en fait. En fait, ça va je se passer. Comme... Je vais faire un cosplay de cet homme. Ça va se passer comme ça, tu vois. Je vais prendre des kilos et me prendre ces lunettes là et je serai parfait, tu vois. Allez, in-game. En bas à gauche, team Nia EC. Nyan nyan. C'est sous le spirit. Tandis que. Ouah du calme. En haut à droite aussi pour la même team. Il s'agit de Renkaeke, BM Terran. BM Terran. Bien sûr. J'ai battu Abaddon là de l'autre jour en ladder. Il était sur un barcode. Il m'a mis Coca Zero. Non, il a fait GHF Coca. Après, il m'a mis Coca Zero. Point d'interrogation. J'ai mis Lul. Et je l'ai éclaté. Je l'ai éclaté. 6K MMR, 37 points. Un régal. Copieux. J'étais pas mal. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai mis un Lul, ouais. À la fin ou pendant? Non, au moment où il a mis Coca 0, j'ai mis Lul. Et après, C2 Unmask me l'a dit. C'était Abaddon. Merci, C2 Unmask. Ouais, c'est pratique ce truc. Bien sympa, hein. Il a combien le 99 GM en MMR? 99 ou 199? Le 199. Il est à 5680, 5700, un truc comme ça, tu vois. Écoute, t'es vraiment pas loin. J'étais pas loin, là je suis redescendu à 550. Parle pas au passé, parle pas au passé. Non, là je suis redescendu à 550. Non, je veux pas le savoir. J'ai perdu. Je veux savoir quand est-ce que tu peux. J'ai été à une victoire littéralement de me qualifier d'être en GM en fait. Et j'ai trop. C'est pas grave, ça fait partie du. Tu vois? Du jeu. Bah ouais, Mike. En vrai, ça aurait été trop. Mais genre, en vrai, c'est débile parce qu'il y a. Au moment de l'OGSL, j'avais vraiment 5K 250-300 des MMR, tu vois. What the fuck? Donc là, en 3 semaines, mec, je sais pas. Ouais, c'est ça, en 3 semaines, 1 mois, j'ai pris 300 des MMR. T'as les prot, hein. Genre, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà, là, le régal. Tac. Allez, pan. Oh, oh, pardon, je m'enflamme un peu, mais. Hop. Ah, il vient de me faire Jackie et Michel, c'était immonde. Oh non. Fais-moi. Oh okay. Gourmand. On va perdre le Reaper. Ça c'est comme As, ça c'est gourmand. Tu vois, il voit un Mr Freeze, il saute dessus quoi. Il y a plein de balles, hein.
T'as pas le temps, ouais, il te le gobe. Hein, direct. Il te le gobe. Ouais. Ah non, mais la grosse erreur de Reinka qui a voulu faire le blaze un peu. Un petit peu sexy boy et qui s'est trompé. Il s'est blindé. Il a fait le peintre un peu là, clairement. Peinture et découverte pour Reinka qui s'est permis d'aller trop loin et qui a pris un dard dans le boule. Et du coup, on va traverser la carte côté Soul Spirit. On va aller un petit peu tâter du wall. Ouais, mais bon, les deux Hélions vont sortir donc on va pouvoir gérer ça tranquillement. Est-ce qu'on irait pas plutôt prendre l'Exel Naga tranquillou histoire d'avoir du map control? C'est bref ça. Ouais, allez, prends le check. Je suis pas un grand Xel'Nagger moi, hein, putain. Ah ouais? Ah ouais, mais Xel'Nagger, je crois que j'en prends une par saison quoi. Je crois que la stat c'est ça quoi. Ah non, moi j'aime beaucoup. Et dès que je vois un mec qui a une Xel'Nagger, je fais oh c'est chiant. Mais le mec il triche! Il a un pauvre Link, il voit la moitié de la map. Qu'est-ce qui se passe là? Moi mon cocabile il est vu avant d'être arrivé, ça c'est nul. Déjà qu'il a scouté, il sait. Si en plus je peux pas faire de surprise, c'est nul. Je demande réparation monsieur. Bizarre, filez-moi des points. C'est bien. J'aime beaucoup ce corbeau là. Corbeau. Un corbeau anti-creep, un corbeau de missile, un corbeau de tourelle d'Arras, tout est possible. Hop. Et de 7 sans se rater. Yes, merci Black Arrow 57. J'avoue, sur le. Je crois que je suis à un an presque là, moi, sur le Twitch Prime. Ah ouais? Ou je me trompe pas, tu vois, je le loupe pas. Beau gosse. Sur le Twitch Prime. Pendant qu'on a perdu deux petits drones avec les. J'avoue. Oh les gars, je suis désolé. Oh, j'ai envie d'appuyer sur B de revenir en arrière, mais on peut pas. On peut pas. Parce que c'est live. Hop. Vraiment désolé, je suis pas concentré. C'est pas grave, c'est longtemps que tu n'as pas casté. Oui. Nul. Batabane, T2, d'accord, tranquillement côté Soul Spirit, on va développer son sa tech. Est-ce qu'il y a une chambre d'Evo sur le terrain? Non, ça se fait un petit peu tarder quand même, je trouve. Mm-hmm. Ça se fait même beaucoup tarder. Ouais. Attends, c'est un deuxième corbeau ça? C'est complètement le deuxième corbac. On est en train de rechercher le steam. Regarde, Tricheur, il le voit! Il l'a vu passer! Ouais, il l'a pas vu longtemps, je suis sûr. Non, il semblerait que non. Donc il va quand même prendre sa petite tourelle. Comme tout le monde, bien sûr. Allez-y. Coucou! Par contre, belle réaction. Putain, il est trop fort. Le temps de réaction et le Soul Spirit. Il est trop fort, Soul Spirit, vas-y. Énervé! Je suis fan de lui. Fan de beaucoup de personnes. Ouais. Hop. Même de Beyoncé. Okay. Hop. Et il bouille les couleurs. On est débarrassé de cette crypte tumeur. D'ailleurs, on a deux corbeaux, mais il n'y en a même pas un qui est avec les lions là. Si, si, il arrive. Mais oui, il est pas encore là. Avec son symbole Terran là gravé sur le. Sur le réacteur. Hop, et bah les queens qui font le terre-terre, enfin qui font le travail en sur le terre-terre. Je suis pas convaincu en termes d'ingénierie que ça flotte vraiment, ça vole vraiment, c'est un ingent comme ça. Déjà de base, quand le réacteur principal il est à l'arrière, ça me paraît. En fait, ça veut dire qu'il faut pas qu'il s'arrête quoi. S'il s'arrête une seule seconde, il va perdre en altitude ouais. Et se crash. Ouais, et puis même, c'est s'il y a le moindre perturbateur sur l'horizontale, ouais. Sur le vecteur horizontal, j'ai envie de dire, et ben. Ça peut aller très très haut ou très très bas très vite quoi, selon la puissance du réacteur. Tu tapes un pigeon, mais tu finis au sol quoi. Ouais mais... J'arrive pas, Andrés. On va se crocher. Allez. Allez. Deux petites tourelles. Et là cette fois la réaction est un petit peu plus late. Du coup on va perdre 4 ouvriers. Et perdre du temps de minage, c'est pas trop mal. Oh, il est en train de faire un gros timer là. Il va le B-burst mec. Est-ce qu'il va le jouer Gling? Ah ouais, là, moi je peux te dire que ça c'est 20 Bane. Genre franchement, le crochet centrifuge il était si tôt. Je suis pas convaincu que ce soit bon Bane. Je sais pas, il y a des mecs qui m'ont fait ça en ladder. Le faucheur notamment. Hop. On a beaucoup de Hélions hein, qui vont permettre de dealer ces Zerglings qui ne rentreront pas à la maison. Cette B3 sera votre tombeau. Et bah rip les 20 Bane. Bah ouais, non mais mec, en fait il y a le faucheur déjà qui m'a ouais. Fait ça une fois notamment. Et ouais, j'ai eu un speed bane comme ça et puis on arrive en ligne droite et tu fais mais attends, j'ai un tank là, qu'est-ce qui se passe? Wait, non. Il y a tout qui pète et tout, c'est terrible. Parce qu'en fait j'ai vu ça aussi dans la barre de prod accessoirement. Ouais, bon, ça et puis ça, c'est bizarre de faire le crochet centrifuge avant le 1-1, on est d'accord quand même. Bah pour le moment en tout cas ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi donc peu de sens. Après je sais pas, c'est peut-être parce qu'il avait peur... Transformé là. Il avait peur d'une attaque de Reinka peut-être. Donne-moi raison. J'y vous plaît. Oh, regarde, il va le voir l'exam. Parce que c'est OP. Et pourtant, ça va, les Hélions, ça peut se débarrasser. Et là, pouf, il appuie sur E là. Tu les veux, TB là. Il est là. Toi, t'es têtu comme garçon. Toi, t'es un peu con. Ah non, je peux le dire ça. C'est pareil. Ah.
Ok. Bon, toi, t'es têtu dans ce derrière stream. Tu regardes le stream, t'es têtu, toi. Comment? On rajoute des hydras et là, on oh, attention le corbeau, ouais. Oh, ça serait très dommage. Ouh, il a la vision parce que c'est pété l'Axel. Et il l'a pu parce qu'on a chopé l'aggro avec ce Medivac là. Et bon, bah finalement, toujours pas de bane sur le terrain, que ce soit avec la petite troupe sur la B4 ou directement se bat sur le creep côté Soul Spirit. Clairement. Soul Spirit qui a un développement assez étrange, il y a beaucoup d'unités, hein. Pour peu de drones quand même. Enfin les drones ça a mis du temps à monter, c'est monté vraiment de manière douce et maîtrisée. Pas de façon exponentielle. Exactement. Ça c'est clair. On est plutôt voilà sur une progression lente. Fais-moi des bains. Là, mais pour le moment, je sais pas, il y a des joueurs qui ont veto des unités avant de lancer la game. Ils se sont dit non, moi je vais pas faire de bane sur celle-là. C'est faux. C'est bon, t'es content? Ça joue sur les mots, je m'appelle Michel Roulou. Oh, des bons petits nettoyeurs. Ouais, des pingouins. Un peu vénère. Des parmois. C'est pas le pingouin viking avec une mitrailleuse, non, c'est un pingouin avec un putain de lance-flamme. Des boucliers. En vrai, le Hellbat dans la conceptualisation de truc, c'est bien pensé. Après, pour le TVT, je trouve ça un peu retard parce que t'as vu, les trous, c'est des cibles et elles sont sur l'épaule, ce qui est quand même une zone assez vulnérable en général. Quoi. Tu veux pas te prendre une balle dans l'épaule. Tu bah, du coup, faudrait que si les marines ils tirent, toi, Hellbat. Oh, il l'a ça pas rentre, fermé. Ça rentre. Il l'avait vu pourtant. C'est bien dommage d'avoir après, laissé. Il le gère facile. Ça va. On n'a pas perdu d'ouvrier. On a le 2-2 qui est terminé. On prend la fight. Là, on sent pas aller le bon, mais c'est le Shredder. Ah, tu dessièges Tigo là. Clairement. Petit dessiège, petit go, petit clic. Petit clic tranquille là. Hein. Hop. Sur le timing de 2. Tu vas siéger copieusement. Attention, on va voir aussi 2-2 pour Soul Spirit. Donc faudrait faire attention. Faut se pré-split. Tous les Hellbats en fait ont tanké parce qu'il y en a plus. Ouais. Y a pas de maraudeur. C'est le principe d'Hellbat dans ces fights là quand même en général. C'est de choper l'aggro. Ils ont survécu à la Oaras en early game. Hop, on les envoie mourir en première ligne. On va évacuer la ligne de minerai. Toi, mais t'es une unité trop forte, il coûte rien. Allez hop, meurs. Allez, descend en première ligne. Les nettoyeurs, les mines, c'est par là. Et que gros run by, mais cette fois, voilà, on aura des lui, marines. Lui, à mon avis, lui, il va mettre un juicy shot. T'es prêt ou pas? Hop là, attention. Il était pas si juicy, mais bon, il était pas mal. Il était pas mal, hein. On s'est débarrassé du coup de la base pour le bon Renka. Ok, ici, ouais. On va steam back. C'était back, back, back. Hop, ici, est-ce qu'on perd pas la fight pour Renka? Si, c'est dommage. Grosse mare de sang bien dégueulasse. On aurait bien voulu poser le 4ème CC. On va juste le faire un peu délayé. Ah non, d'ailleurs. Bah, moi j'aime bien la position. J'aime bien la position de Renka. Hein. Ah bah, clairement, hein, je pense qu'il a clairement l'avantage dans cette. En plus, il a encore du missile Shredder en stock là. Regarde, il va les. Je pense que tu les envoies en pré-fight. Ouais. Ça dure assez longtemps. Et après, t'as plus besoin de temps de le voilà. Gérer. Et là maintenant, t'avances. Viens de battre! Hop, attention, on n'est pas split, va falloir le split pour Renka. On ramène tout dans la ligne de tank et on prend la fight. Le bon Blinding Cloud. Ceci dit, pour Soul Spirit, oh, parce qu'il n'y a pas. Oh, l'énorme connexion au nord qui fait complètement la deep. C'est surtout, c'est rentré dans un Medivac. Il y a eu une grosse connexion, plus 8 Medivac, 8 marines dans un Medivac. Ouais. Et là, tu te positionnes avec tes libérateurs. Attention, mon poulet. Allez, faut siéger ici là maintenant. Faut siéger, faut dessiéger le tank à l'arrière, faut le ramener, faut siéger ces deux tanks là. Un siège. Voilà, c'est pas mal. Là, on a verrouillé la position et ça va être beaucoup plus compliqué pour Soul Spirit de s'en défaire. On a vraiment bien packé les tanks. Du coup, un Binding Cloud suffit à tous les cacher. Et là, on prend la fight et les bons Hydra. C'est du throw ça. Ça, c'est du throw qualitatif. Les 4 tanks bien packés. Hein. C'est de l'Hydra 2-0. Hein. Enfin, 2 d'armure, mais 0 en attaque. Mais est-ce que. Oula, attention. Là, on se donne un bon gros shot de tank, mais je pense que ça ne suffira pas. Ah ouais, non, mais les 4 tanks paquets, ça a été le throw. Ouais. C'est bien vu. Il y avait les Vipers, il y avait un move à ne pas faire. Il les a trop avancés. Hein. Je veux pas faire le mec, mais j'ai dit il faut les sièges là, tu vois. C'était vraiment sous les libés en fait. Ouais. Parce que sinon, tu t'exposes beaucoup trop et en fait, tes libés, ils tapent rien. Parce que les Hydras, ils peuvent les dépasser les tanks sans que les libés tapent. T'as pas les Marines qui sont assez avancés pour pouvoir défendre contre les Vipers. Et du coup, il s'est pris un Blinding Cloud free sur ces petits tanks. C'est dommage. Et on va aller chercher le crackling ainsi que la caverne d'ultralisque bien évidemment pour Soul Spirit qui se débloque de la tech et des bonnes unités. Moi quelque chose me fait penser que cette game est loose pour le joueur Terra. À cause de la caverne d'ultralisque. Ouais là, le Bataghost est même pas posé. Il y a des libés. Il y a ça surtout. Ouais. Non il y a même. Il y a deux libés. Il y a deux libés, 4 tanks et que des marines. Moi je pense
On va avoir le droit à un clic. Il va faire trembler les ancêtres de Renka, tu vois. Ça dépend de la prise de fight. En vrai, je me dis que là, avec ces racks, il y a peut-être moyen qu'il y ait un, ça crée un sorte de goulot d'étranglement où les tanks font quelque chose de juicy, où les ultralisques mongols, un petit peu. Enfin, mongolisme plutôt. J'ai encore confiance. Un t'as, peu. Tu souhaites, tu espères. Pas confiance. Oui. Un nouvel espoir. Ce genre de truc. Oh, on va se faire pick-up. Allez-vous remonter dans le navire là. Voilà. Bon, lui il aura un peu couru dedans. Okay. Il y a toujours un mec un peu teubé dans la team de toute façon. C'est le gardien de but. T'as pas foiré. Pour tous les gardiens de but. Alors que c'est des mecs hyper compétents. Mm. Capitaine de l'équipe de France on va dire, le gardien de but. Petite bande surrénale. Ici, ok, Mediva qui va se faire shut down. On va à avoir avis, le plus 2 mecha. J'allais dire, est-ce que sous Spirit il a le feeling du tueur? Je crois que la réponse elle est oui. Hein. Sevin Bane me laisse penser que. Mais Renka, on le connaît quand même pour ses plays full marine. Hein. Il fait pas beaucoup, il fait pas vite des maraudeurs, Renka. Non, et là, mais je pense quand même, qu'il va le sentir passer. Il y a quand même beaucoup de tanks. Attention, attention, on a déjà perdu un ultralisque. Deuxième, le troisième, le Bading Cloud qui ne fait pas le taf. Enfin, pas assez. Est-ce qu'il pouvait faire une fight plus dégueulasse quoi? L'espoir, mon gars. L'espoir. Il arrive en ligne droite. C'est bon là. Alors là, c'est Space Mountain. J'ai un bypass, comment? Hop. Oh ouais, non, là, il s'est. C'est complètement. Le mec se sert de l'eau. Hop. Et putain, ma petite goutte. Donc ton dîner, ça a été la baguette là? La baguette, non, je touche toujours à mon premier bout de pain et j'ai pas faim. Pour le moment, ça va. Il est tout cassé. Ouais. Il est tout cassé. Je ne sais pas. Le stress, bien sûr. T'es tendu? Non. Quoique. Le mec, jamais au courant de lui-même. C'est un petit libé. Je m'appelle. Je crois que je m'appelle Antoine, mais. Mais en vrai, je pense que j'ai un petit. On m'a appelé Roger. Vous avez mis le doute. Ça, c'est sympa, Roger. Vous trouvez pas que Roger c'est bien? Allez, attention ici. C'est que c'est Zandster qui s'appelle Anton aussi. Ouais, je sais. Il y a deux mecs dans tous les sports internationaux qui s'appellent Anton. Oh! Deux points de personne pendant qu'ici. Putain, on prend beaucoup trop de drones. Ouais, il est empalé sur la PF. Ici, on est empalé sur la PF et on commence à avoir des ghosts sur le terrain. Et bah, tu sais quoi, sous Spirit, qui s'est empalé et qui. Je pense. C'est le mec qui finit son jeu. Je pense que là, le Zerg il a perdu. Attends, excuse-moi, là, je suis en train de retourner ma veste. Voilà, c'est bon. Fait un peu chaud dans ce sens-là, on va essayer dans l'autre sens. On a quand même, enfin, on est 3-3-2 pour les upgrades pour Renka, c'est vraiment bien. La belle en face au niveau des ups. On est que 1 d'attaque au missile pour Soul Spirit. Dommage qu'on ne l'ait pas lancé parce que des Hydras, on en a un sur le terrain de jeu. Hop, oh là, y a des mains quelque part qui se font massacre, mais j'arrive pas à savoir où. Oh, c'était là, ok. C'était là. Les oreilles sont inversées dans mon casque. Pas pourquoi. Étrange. Merci Flatouné. Qui a resub sur la chaîne de Yogo aujourd'hui. Et qui resub aussi chez nous. Flatouné, un grand homme qui soutient les bonnes personnes, bien entendu. Parce qu'il a stream Yogo. Ouais, il a stream aujourd'hui. La tilté. C'était du coup, c'était cool. Pourquoi il est pas allé dormir? J'adore quand Yogo il tilt. C'est tellement le meilleur moment de l'e-sport. Oh, alors là, attention, cette fight, je sens qu'elle va pas être belle. Hein. On a décidé de pas prendre plusieurs fronts là. Allez, c'est parti, Yango en frontal. Est-ce que les ghosts sont sur le terrain? C'est pas speed pour les marines à droite. Il y a eu une MP dans les bindings. Mais mauvais upkill. Hein. Oh, ça. T'es prêt pour cette MP dans les bains ou pas? Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Mec, elle était incroyable. Elle était sur tous les bains. Hein. Genre, si c'était des infestes ou des gods des AZHT, tous les terrains de la Terre prennent cette fight. Mais là, regarde. Lui là. Ah, c'était pour les Vipers. Ouais. Il les a eu au final. Mais Bah non, il y avait deux Burning Gods juste derrière. Non, il les a pas eu. C'était vraiment full Bane. Mince. Catastrophe. 1-0 pour Renka. Pour Soul Spirit. Soul Spirit. Hein. Soul Spirito. Qui est un jeune joueur aussi. Hein. Je crois qu'il a 18 ans à peine. Un truc comme ça. Hop. Laurie, si tu regardes. Ouais. Hop, qu'est-ce qu'il se dit dans le vidéo? N'hésite pas à sub, hein, Arty, Batosai plutôt. Ou toi aussi, Sylvain Durif. Toi aussi, XGNate8. N'hésite pas.
Tac. À soutenir. Et quoi comme tête d'affiche? Après, il y a Yogo. Il y a Yogo contre King Kong. Et oui. Donc Yogo qui se fait faute en rush par un mec allongé dans son lit. C'est quand même une belle affiche. Je veux dire, au bout d'un moment, qui parle encore de Star Wars 9, tu vois? Enfin, personne. Personne. Ah non. Tout le monde regarde King Kong. Bah oui. Beaucoup mieux. Oh, putain, la jugulaire. Ouais. Encore eu de la chance. Direct hein. dans la pomme d'Adam. Ah ça. Ah ça, et là je mourrais. Putain, franchement. Excitant, non? Non. Pas trop. Allez, BM Terran contre Soulspi. BM Terran quand même. Il pousse, hein. il force. C'est bien, moi je trouve. C'est comme. Bof. Je suis pas fan. Je ne suis pas fan. T'es pas fan du BM? De quoi, du pseudo ou de BM en général? Bah des deux, tu vois. Des deux. Bah non, enfin je suis pas fan du. En vrai, le BM, moi ça me fait un peu marrer, tu vois. Ah oui. Parce que je BM quasiment jamais autre que Manormul, tu vois. Moi c'est Manormul, c'est mon pire BM. Ah, mais moi c'est avec le GG agressif, mais ça fait longtemps que j'en ai pas calé en vrai. Bah ouais, si, moi à chaque fois qu'il y a un mec qui me BM, souvent ça finit en screenshot sur Twitter. Hein. En haut à gauche, pour la team Nyan, en Zerg bleu, Soul Spirit. Et opposé à lui, c'est Renka. Mais bon, après screenshot un mec qui te BM. Ah non, mais parce que tu lui réponds, tu vois. C'est un peu comme le chat qui joue avec le cadavre d'une souris, tu vois. Mm. T'essaies de le full tilt encore plus. Ah. Moi j'en vois que des XD, moi. Quand je réponds. Bon, en général, je réponds pas, j'ai pas le temps. Je sors de la game, je me dis putain, il était nul en plus. Genre, j'ai pas progressé sur cette game et je perds mon temps à me faire insulter là. Tu vois. Bon, de départ complètement classico-classique. Moi en vrai, les BM qui me font plaisir, c'est ceux où on insulte les Français en général. Parce qu'il voit OGTV Coca, du coup il insulte les Français. Et là je me dis, lui, il connaît au Gaming AC2, lui, c'est bien. Lui, il sait où je travaille. Lui, c'est bien. Il a entendu parler de nous. On est connu, c'est bien, voilà. Nice. Ugly French Guy, il m'a dit hier. Il y a un mec qui m'a dit, un bâtonnet. 5002. Il osait ouvrir sa gueule. Un bâtonnet, 5002. C'était un mardi, je m'en souviens. Non mais mec, 5002. Bâtonnet. Mais mec, il y a bien des bâtonnets en diamant, donc à partir de ce principe. Respectez-vous ! Personne se souvient de vos pseudos avec vos builds de merde! Vu que le jeu est free to play, hein, les bâtonnets, ça pullule. T'as un bâtonnet? T'as un barcode, Coca? Non. J'ai un deuxième compte qui s'appelle Le Peintre, mais que je j'ai pas allumé depuis. C'était le compte de stream, plus ou moins? Ouais, je l'ai pas allumé depuis très longtemps. Depuis un petit moment. Non, je joue sur mon main. Pseudo découvert. Oh fuck you, go! Oh Denver, encore, il dit ça mais tout, il est fâche Denver. Oh putain, j'étais pas prêt là. Allez, pan. Parce que je m'attendais, tu vois, à l'accent, mais là, ça, c'était au-dessus de toutes mes espérances quand même. Alors, t'as kiffé? J'ai beaucoup kiffé. Oh. Clippez, s'il vous plaît. Clippez ça, vous me l'envoyez, et c'est ma sonnerie de téléphone après. Quand je reçois un SMS, oh fâche con. Ouais, je sais ça. Ou le réveil le matin. Ouais, le réveil le matin. Oh fâche, lève-toi que. Vas-y, peu cher. Hop, on va prendre le troisième. Oui, c'est validé. Petit troisième Zergling de tuer. Un petit coup de pistolet à clou dans le boule. Et on termine le Ling ici. La petite Hatch qui du coup a réussi à être bronzée. Et Soul Spirit qui repart avec ses petits Hélions. Ouais. Bon, par contre, on va pas chercher le Laptek pour aller chercher le Steam ou les corbeaux Banshee Cloak. All I do is Steam, no matter what. C'était bien ça, à l'époque, des petites chansons et tout là. Les tempos mais et bon, autres, ouais. Petits pairs comme ça. Tempo, il me kiffe. C'est marrant ça. Ah ouais. Ouais, moi je l'ai croisé une fois une soirée, tu vois, à BlizzCon. Et je suis putain lourd en vrai, lui il m'avait fait marrer, tu vois, genre avec ses chansons et tout. Et là il me fait oh Coca, you're the observer, genre ouais. Oh my man, my man. Et là il est arrivé, il m'a fait bois ça mon poulet. Et maintenant dès qu'il boit, il fait my man. Genre il est archi marrant ce mec. Excellent. Bah en vrai c'est marrant. Bon voilà. Trip. Bon délire. Parce que moi quand j'étais 15 ans, complètement puceau, j'écoutais Tempo, j'étais fan, tu vois. Maintenant j'ai 23, toujours plus saut, mais j'écoute plus, tu vois. Bon, c'est un peu vieux jeu quand même, on peut le dire. Bon, allez, vas-y. Oh, il y a un Batarosh. Oh, Soul Spirit, non, je t'en supplie. Pas des vieux cafards de deux, non. Pas les cafards, s'il vous plaît. Pas les cafards de mort.
Déjà, on va être supply block. Voilà. Coup, moins de cafards. Voilà, c'est ça qu'on a. Non, mais c'est pas maintenant qu'il va faire les cafards. Mais bon, il va monter à 65 drones. Oui, il va faire un speed roach. Et puis ensuite le 1-1 et ça va y aller. Bah, s'il fait ça dans cet ordre-là, ça m'étonnerait qu'il survive au push-el bat qui arrive. En vrai, le problème, c'est que. Ouais. Il y a ça. Mais il y a surtout, genre, les évos, elles sont balancées. Allô. C'est late. Bien pour Stélion. Bon. Si on gère la maison, c'est pour ça qu'on n'a pas géré les lions qui frappaient la queen. Et Tapé dessus comme ça. Bleu. Coup de mandale. Oh, un libé. Petit libé. Et du coup, petit push et le bat tranquille pour le bon Renka. Un push, comme ils disent. Un push. Ouais, mec. Un push. Push. Ah, y a beaucoup. Hein. Pusher, madame. C'est un. Pusher. C'est delay, mais. On va être supply block si on perd cet overlord, mais est-ce qu'on va vraiment s'attarder dessus? Non, ça va pas plus. Que en vrai, tu ça. Peux le fumer maintenant. Ouais, quoique, y a quand même pas mal de cafards. Y a le viking qui met de l'extra DPS. On a perdu bien sûr le medivac, mais on fait tout brûler tant qu'on fait des bons gros câlins. Un petit bouger collé serré là. Et est-ce que les trois coups. Comment c'est tout ça? Hop, allez, allez, et le bat supplémentaire qui crame les clings. On a bougé les ouvriers, mais là on va se faire clean parce que bah, les queens depuis tout à l'heure, elles larguent leur petit DPS et Renka il sait pas trop quelle décision prendre. Ça micro bien, mais le minerai monte. Il est monté à 1000, enfin 960. Et là, pose, il a fait une coca, il a fait le peintre encore. Il a pas rajouté des racks en fait, surtout. Il a lancé les deux IB, le 3ème CC, mais. Ouais, elles sont un petit peu light. Hein. Du coup, voilà, du coup il va avoir un lack of production pendant un moment. Est-ce qu'il l'a vu? Je pense qu'il l'a pas vu. Non. On pose un petit bunker et on contre-attaque. Je pense que c'est des Ling uniquement pour le moment. Mais il y a deux marines et un tank qui vont être sur le ça terrain de vite, jeu. Hein. Ça réagit vite chez Soul Spirit quand même. Hop. Oh, il y a deux Helions. Oh, il y a deux Helions. Hop, là, trois VCS. Et la bonne manchette, bien sûr. Oh, les fights. Oh merde. Oh, il est pas dessus. Il est pas dessus. Il a pris mille fois plus avec ça qu'avec son push initial. Oh merde. Hop. Bon là par contre... Ah, c'est Spirit qui se sent un peu comme un teuteux là, waouh. Est-ce qu'il prend? Il a perdu 11 drones, c'est énorme. Yeah. Et les upgrades Terran qui sont en avance. Sous Spirit. On va avoir deux tanks. Qui se fait banane. Qui se fait banane. Deux tanks, le medivac, le steel. Tu vois le pancake banane? Et bah voilà. Le pancake banane. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mec, c'est aux US, il y a des pancakes à chaque fois que je prends chez Denise. Putain. Une dinguerie. Ouais. En fait, j'ai des photos du truc, c'est que mon petit déj aux US fait en général 2500 calories. Non. Si, mec, c'est insane. Ça plus un milkshake et tout. Et ouais, je sors du truc en général et puis. et après, je me mets à rouler après. Et en vrai, je remange 4 heures plus tard parce qu'on est aux US. Putain. En général, en une BlizzCon, en 2 semaines, je prends 4-5 kilos. Bah, tu m'étonnes. Genre, c'est débile. Sans blague. C'est débile. Vu ce que tu me racontes. En faisant du sport. C'est en allant en salle faire du sport tous les jours. Malgré tout. La BlizzCon, un espèce de festival de bouffe. Surtout parce que c'est aux US. Oui, ça coûte cher mais bon. Et c'est si bon. C'est une fois par an quoi. Hop. Coucou. Oh coucou Alva, comment t'es chou? Hop. Alva 111. Là ici on se met en position tranquille, le petit bouclier de combat qui n'est pas encore terminé. Mais les upgrades de 1-1, elles le sont. On est en train de s'envoler à la pop, mais c'est du rouge. Mais objection votre honneur, Snake du Roach. Mais attention. Dans un programme électoral comme celui-ci, on peut se permettre de supposer que ces unités veulent quelque chose. Ils comprennent tout notre supply, bien sûr. Oh non. Allez, on remonte dans les minivacs et on se carapate. Allez, ciao. Ah, en vrai, il peut mourir maintenant. Il y a 3 tanks. Ah non, ça va. Tant qu'ils font mal quand même. Et puis on est 0-0. Maintenant on va être 1-1. Et 1-1 à l'instant. Mais il y a quand même 4 tanks, hein. Faut peut-être pas déconner pour ce spirit. Tu sais, c'est fort les ravageurs. Ouais. Après, faut essayer de spread un petit peu plus. Faut éviter que chaque shot tue 4 ravageurs, 4 cafards en même temps. Mais regardez, tout à l'heure j'ai dit 65. Il y en a 66. Bon, il en a dans 65. Il a construit une petite spire. Ouais, il y en a dans la barre de prod, tu vois. Mais. Il va faire des spines, il va faire des bâtiments. 60 droach de 2, quoi, tu vois. Le dégoût. Le dégoût. Ouais, bah, build de mort tank, hein. J'ai envie de te dire, il faut une deuxième facto, on fait les marines 11 par 11, what the fuck. Ah, c'est Renka ça, ouais. C'est full Renka ça. Il y a zéro laptech. Ouais, enfin, pour l'instant, les racks. Pour les add-ons, enfin pour les...
Oh, il a voulu gratter un gaz. Lul. Hop, c'est plus vite que la musique. Ici, il n'y a pas de tanks qui sont à portée pour aider l'armée de Renka. Il y en a un qui vient de se siéger. On va reculer. Oh, il prend tarot sur les marines. Excuse-moi. Il prend tarot sur les marines quand même. Sous le spirit là, qui se fait un petit peu gratouiner. Hein. Quelque chose me dit qu'il n'est pas rentable. On envoie un petit dropship. J'aime beaucoup. C'est vrai ? Ouais. Et le 2-2. T'es bon, toi. Non mais déjà t'es Terran ça place, donc de base tu vois je trouve que t'es bienvenu dans la team de ouf. Hey, figure-toi que je n'ai pas commencé Terran. T'as commencé quoi? J'ai commencé Zerg au début. Moi aussi, j'ai fait Zerg. Et après j'ai changé. J'ai fait la campagne, ensuite j'ai lancé Zerg, puis ensuite je suis revenu à Terran. Parce que je me rappelle plus pourquoi d'ailleurs, je sais pas quel a été le déclencheur de ça. Moi c'était le multitask dropship et les splits qui m'ont fait changer. Mais moi je crois que c'est parce qu'en fait j'avais un pote qui jouait Terran et j'avais pas envie qu'on fasse du TVT, du coup je jouais Zerg. Un de mes potes de début. Puis ensuite j'ai fait vas-y unique. J'étais monté platine en Zerg avant de changer. Ah oui, non, d'accord, t'as quand même beaucoup joué en Zerg. Bah en fait non, j'étais un bon Zerg. Non, j'ai popé Gold en fait. Ah oui. Ouais, parce que j'ai un pote qui m'avait appris le jeu avant de me classer. Ah. Ça m'avait tricheur. Copieusement aidé. Allez, scan. Hop. Est-ce qu'on... Siège, mais siège, ouais. Siège, ouais, attention, faut pas tout packer quand même, pour pas que les builds soient vraiment trop efficaces. Mais si, oh, attention, on est pas mal, attention, c'est du speed bane. Oh, c'est du slow bane surtout. Ouais, oui, c'est du slow bane, pardon, j'ai speed. J'ai trompé. Oh. Oh, on perd tellement. Oh, comment on part sur un 1-1 là. Oh man. Amen. Si on va prendre cette base supplémentaire, on va décider les temps de continuer l'ascension vers la base de Zerg, bien sûr. Ici, les bons Muta. Attendu. Par déjà une tourelle par base. Hop. Il était au courant. Il savait tout. Il avait lu le script. Il a lu dans son spirit. Ah, on voit ce split ici. On a le split désormais pour Sounds. Bonne connexion quand même. Et what? On clean. Il a eu. Il y a toujours un petit fail de split à la fin qui est un peu frustrant. Bon. Il y a beaucoup. Ça va. Après, les mutas sont bon, en train de taper. Il y a l'armadax. Tardex, split. Hop, ce petit tank qui s'est dit putain. Ma vie c'est copieusement de la merde. Déjà que je suis Keblo, en plus je me fais chicoter. Et pourquoi quelqu'un a pimpé mon tank sur le côté? Hop, ok, on va pas faire que Muta. Non, il a pas relancé de Bane. Il a pas relancé de Bane parce qu'il avait pas de Zergling sur le terrain de jeu. Quelle grosse erreur. Joueur Zerg. Allez, c'est parti. Hop. GG. Un partout du coup. Pour nos deux joueurs. Pour l'instant, mon ton Riz fait désirer. Hein. Il est là en mode, ouais, tu me manges quand là? Bah mec... Trois fois pour m'avaler? Et ça va. Il ne reste plus qu'un BO3. Hein. Une game et un BO3. On fera une petite pause après ce BO3. Oui, là, bien sûr. Pour que je puisse terminer mon petit morceau. Ouais, il t'appelle. Fais les yeux doux, moi aussi. Mangez-moi. Hop. Troisième game du coup, entre nos deux joueurs. Petite pause yoga, tai chi. Petit short, hein, clairement. Ah bah, y a la clim, mais c'est vrai qu'un petit short, ça fait du bien. Clairement, la bonne clim, 5 ans sans l'avoir dans les anciens locaux. Mm. Après, moi, j'ai pas fait 5 ans là-bas. T'as fait combien d'été, toi? T'as jamais bossé l'été, si? Bah, j'ai pas fait d'été, moi, je pas pour tous. Non, j'en ai fait un seul. L'année dernière? Ouais. J'ai fait, ah, bah, fait le marathon. J'ai été de avril à juillet de l'an dernier. T'as fait le marathon? Exact. Ouais, non, mais. Bah, je suis content qu'on ait évité cet été. Mais toi, t'en as jamais fait des marathons? Si? Si, j'ai fait des marathons quand même. Mais j'ai jamais fait les marathons où je passe la nuit. Peut-être j'ai dû faire une nuit ou deux dans un marathon, dans des marathons au total. D'accord. Mais. Ouais. Pas plus que ça. Moins de passion. Déjà, le marathon, c'est pas un truc qui me passionne de ouf. D'accord. T'aimes pas faire des longues sessions de jeu? Non, et puis en général, j'avais toujours un truc genre, bah j'ai cours bientôt, tu vois. Ah oui. Je vais peut-être pas faire un marathon alors que j'ai cours le lendemain. Oh, ça va. Je me rappelle, c'était le lendemain, enfin le soir de la fête, de la soirée, de la viewing party à l'ECE. Mm-hmm. Je m'étais mis un tarot ultime. J'étais en train de vomir à 5h du mat et j'avais une presse à 8h. Pas très malin. Et mec, j'ai pas été mauvais. T'as pas bégayé? C'est en anglais en plus. Enfin bref, j'étais en PLS quoi. Clairement. Mais ouais, je suis passé à 9h. En gros, c'était 2 heures de cours, je suis passé à 9h45. J'ai survécu comme je pouvais quoi. Aïe. Allez, en bas à gauche, Tigna. C'est Renka.
Et en haut à droite, il s'agit de Soul Spirit. Soul Spirit. Soul Spirit. Soul Spirit. Sbourbi. Lucas, Lucas. Bon alors. Pas de proxy. Pas de triple rax. Hélas. Non, non, non. On part sur du standard. Les deux joueurs qui se respectent, qui se jaugent. Et qui joue leur qualif, hein, notamment, ne l'oublions pas. Celui qui remporte cette game est qualifié en Underdogs, touche déjà la coquette somme de 200 000 euros. Donc voilà, c'est une game qui vaut un petit peu de sous. Un peu, hein, bien sûr. 200 000 balles, bordel de merde. Pourquoi je la casse, moi, ils allaient braquer, là, cette game. Putain, mais... T'imagines, tu gagnes 200 000 balles. Donc, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu les investis? Est-ce que tu fais un gros tour de monde? Est-ce que tu rachètes un truc? Pouah, je pense que je banque. Tu banques? Ouais. Et tu essaies de faire gonfler Lady Denier? Même pas sur un... Ah non, mais non, mais non, même pas sur un livret. Hein. C'est genre juste, je le garde, tu vois. Je les mets là, je les regarde. Non, mais si je les mets là, je les regarde, tu vois. C'est-à-dire, avec 200 000, en vrai, c'est beaucoup, c'est pas non plus énorme, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le genre de truc où c'est bon, c'est parti, faites du slip pendant 10 ans, ou ouais, je m'achète une bagnole, la maison de mes rêves, ou quoi, tu vois, avec 200 000, tu te mets bien, mais en région parisienne, en vrai, tu fais pas masse, quoi, d'un point de vue immobilier ou, tu vois, lifestyle, enfin, non, c'est juste, tu les as, et puis en vrai, au moment où tu as envie de te payer un Uber, t'arrêtes de réfléchir, tu vois, moi, c'est plus ce genre de truc, tu vois. Tu gardes ça comme l'argent de poche infini. Ouais, c'est ça, c'est un peu le petit bonus loisir permanent, tu vois, moi, par exemple, quand je vais en event, OPC. Tu prends jamais de goodies. En fait, non, mais je vais en train à l'aéroport. Par contre, quand je rentre, je prends toujours un Uber, tu vois. Okay. Parce que c'est bon, quoi. Je sors de 5 heures de voyage déjà. Et j'ai pas et je me dis, je viens de gagner des thunes. C'est pas grave si je mets 50 euros dans un Uber, tu vois. Là, je suis c'est bon, quoi, tu vois. C'est. Ok. Ouais, moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, tu vois. L'espèce de bonus de bonheur, tu vois. De simplification, de luxe en fait. Ouais, c'est du luxe, tu vois. Mais je pense que du coup, tu en profites pour que ta vie au quotidien soit un peu plus luxueuse sans pour autant faire un gros excès. Genre, voilà, projet X, voilà, je vais m'acheter une bagnole, une Ferrari. Non, non, ta gueule, tu vas continuer ta Navigo, tu vois. Déjà, voilà, quand tu verras les 75 balles mensuelles, tu tireras moins la gueule. Voilà, c'est ça, c'est le genre de truc, quoi. Toi, tu ferais quoi de... J'aime vraiment bien l'idée que t'as donnée, mais. Ouais, moi, c'est vraiment. Genre... Je pense que je me ferais quand même. Un setup, je me ferais quand même un petit kiff. Mais non, mais par contre, voilà, voilà, tu t'achètes un nouvel écran, tu vois. Voilà, c'est ça. Non, mais bien sûr, je me ferais en fait un studio comme ça. Te faire un pur kiff informatique, en réalité, ça va te coûter 2500 balles, tu vois. Sur les 200 000, qu'est-ce que ça représente? Pas masse, tu vois. D'ailleurs, Et ça t'investit 5 ans de PC, enfin voilà. Même pas eu le temps d'acheter l'écran qu'il m'a envoyé. Je vais le faire en rentrant, mais. Devoir m'appeler. Ouais, n'hésitez pas, hein. sur Dell, il y a une petite offre. Mais non, mais leur dis pas, j'en aurai plus après. Sur Dell, il y a une petite offre d'écran à 240 Hz à 260 euros. Au lieu de. Sans frais de livraison. 400 000 milliards. Au lieu de 420 en plus, je crois. Il y a vraiment une. Il y a 35% de réduction. Plutôt copieux. Et c'était ceux qu'on avait à la DreamHack Valencia et je peux vous dire qu'ils étaient top. Voilà. Alors attention, ici. Donc, Alienware là. Je vous le dis, je suis sympa, c'est sur le site de Dell. Mais qu'allez-vous, quoi. S'il y a des mecs de Dell et d'Alienware qui nous regardent. N'hésitez pas à sponsor, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous répondrons dans les plus brefs délais. Cordialement, la direction. En plus, moi, il arrive demain l'écran, je l'ai commandé samedi. Enfin, genre, c'est débile, hein. 3 jours de livraison. Putain, alors, 3 jours. Est-ce qu'on refait le même push? Non, c'est Banshee. Hein. Ouais, on va se reconcentrer sur la game. Mille désolé pour les tryhards. Mais là, on est sur une Banshee cloque au lieu du Medivac Marine de tout à l'heure. Le problème étant que le pair over, il a tout vu. Et qu'on ait supply block aussi, accessoirement, on a le vigilant qui est en train d'être fait, les sports qui sont là, donc tant te dire que pour Soul Spirit, on a complètement compris ce qui arrivait. Du coup, no surprise. Un peu peur quand même. Ils sont rentrés. Après, on a quoi comme unité quand même pour Soul Spirit, parce que ça pourrait venir d'une seconde à l'autre, et on a 14 lignes, non, mais les 14 5 lignes, queens. Et surtout les 5 queens dont 2 en prod, et qui seront là pour le moment où les unités seront arrivées. Donc non, Soul Spirit, je me fais pas trop de soucis pour lui sur la défense de Spoosh. Le but, c'est d'être maximum rentable pour ne pas avoir à reproduire de Queen, par exemple, pour ne pas pouvoir reproduire trop de Zergling et droner comme un gros sac à la sortie de cette défense. Soul Spirit, ici, regarde, qui nous refait un petit Speed Bane sans les ups. Ça me perturbe, moi, mais... Enfin, les ups qui arrivent après, quoi. Ouais, les ups qui arrivent. Ça me...
J'attends le B-Bus quoi. Bah vu qu'on a... Après là c'est vrai qu'il va engager ses Elbat en théorie. Au bout d'un moment il va les paumer tu vois. Ouais. Donc tu pourras faire un contre à base de Bane, peut-être. Mais surtout qu'à chaque fois les connexions de Bane étaient plutôt juicy. Ouais. Pour le bon Soul Spirit. Il y a toujours eu un petit fail sur la fin de split. Voilà, hein, donc tu dis bon bah hey, on change pas une équipe qui gagne quand même. Donc peut-être qu'il sait que Renka n'est pas chaud du split. Si il est chaud du split en plus hein. Je pense qu'à chaque fois c'est juste qu'il a gridé un poil trop. Ouais. Sur la gestion. Allez. Est-ce qu'ils vont se hop, ça va c'était Bane ou pas. Ça va être vu les deux Banshee Honor par ces deux Zovi, on claque le Cloak qui est là et on va commencer à one shot les workers. Allez, pan. Plutôt solide. On perd la vision ici, on va pas pouvoir les suivre ces Banshee. Et il y a les Zerglings qui s'enfuient comme des princes. Sans se transformer. Oh. Hop là. Ils sont pas partis bien loin. Hein. Ah, c'est un peu la brochette qui est tombée du barbecue qui t'attrape et que tu remets dedans. Quoi. Ouais, un peu pareil. Quoi. C'était pas trop des princes, hein. C'était plutôt des gros pécores. Des sorcières. Oh, on les a brûlés. Hop, terminé. Yep. Ici on tente de retourner, mais non, le vigilant est en place. El Vigilante. Pas de F2 côté sous Spirit. Tac. Les Zerglings arrivent. Tu dis F2 parce que les Queens ont pas bougé. Non, c'est le Vigi. Il est dans il est dans le groupe F2. Oh non. Là, on va perdre, c'est pas cloqué. Il a pas bien navigué. Désolé, mates. Pour toi, ça s'arrête ici. Je pense que c'est des Bane, ça. Le running gag de merde. Un peu. C'est pas ouf, on peut le dire. Pas ouf, mais on fait avec. J'ai pas le choix. Je comprends pas du tout cette volonté du rapid speed Bane et... Moi non plus, hein, toujours pas. Je sais pas si c'est à cause du playstyle de Renka qu'il aille différent que l'habitude, qui du coup fait que cet upgrade n'a pas sens, ou si c'est juste le playstyle de ce spirit de base, mais qui ne donne pas plus de sens aussi. Hein, copieux. Ça c'est archi stylé ça. Ouais. Oh, un petit coup de plus, voilà. Ça, en vrai, tu traverses la carte, je pense, quand t'es Renka. T'as quoi? Bah ouais, t'as. Non, mais surtout, tu viens de lui prendre 15 lignes gratos quoi. Ouais, t'es bien là. Regarde les units. Y'a deux Bane. Ouais, c'est vrai que là, s'il met tout dans ses medivacs, qu'il fout le boost pour attaquer la B3 ou la B4, je pense qu'il est bien. Finalement, ça part à patte pour les squadrons de droite. Hop. Allez, on va aller poker un petit peu, on va essayer de double front peut-être ou ramener. Ça fera tellement d'Elbat ça aussi notamment. Hein. Ouais. C'est important de ne pas les perdre les lions dans la mesure du possible. Tout à l'heure c'est bien, il a pas trop engagé sur. Attention là, il n'y a pas assez. Voilà, faut ramener toute l'armée. C'est bien fait. On sauve Jean-Michel. On a retiré le creep. Petit run by de Zergling sur côté gauche de la carte et run by de Bane. Mais ça sera. C'est des Bane ça. Au secours. Attention, ouais, bah là, ça va tout faire, ça va juste mourir dans le wall. Ouais, dans le wall de la BDO ça rentre. Hop, coucou. J'ai mis... Oh, t'es pas mal. On va pas réussir à prendre le tank, tu me diras. Finalement, si. On prend des VCS là-dessus. Dans la main, on a dû gérer ça. Ici, on va sans doute claquer un scan pour retirer du creep. Allez, allez. Renka, faut essayer d'accélérer. Là, c'est toi qui te fais abuser alors que t'as des walls, t'as des unités en position et pourtant tu en perds quand même. Hop, on va prendre un des... Oh non, le misclick. Il y a eu misclick. Non pardonné par les queens. Une queen ne pardonne point. Queen. Une queen te guillotine. C'est des bains ça ou pas? Non, je pense pas. Ah, par contre, ça c'est ouvert. Oh, il est infâme. Mets une tourelle, je t'en supplie. Mets une tourelle de détection là. Il y avait beaucoup de marines dans la main. Bon steal. On va perdre pas mal de workers. Hop. Et là, une fois que t'as sorti tout le monde, tu le fermes le dépôt. Allez, traverse. Putain, ça... Après, avec les Elbats, il a une armée assez impressionnante. Hein. Ouais, il y a du monde, hein. Clairement, il y a grave du people. En face, il y a 24 Bane. Est-ce que c'est suffisant 24 Bane pour 67 marines d'Elbat? Bah, là, on rajoute, là, on voit des cocons à l'écran, donc on va grimper à 29. Maintenant, c'est tout. C'est un peu juste, hein. Ça commence à faire, mais. À mon avis, bon. On a un Renka en underdog sur ce push-là. En plus, on va avoir faut le 2-2. Faut pas faire le split comme tout à l'heure. On va avoir le 2-2, on a 3 tanks, donc on est vraiment dans une excellente position. Oh, le timing 2-2, c'est à son plan de jeu, quoi. Faut se pré-split. Et serrer les fesses après. Et normalement, ça devrait se passer copieusement. Split, split, là j'ai peur, ok. Je suis lancé run by, mais il y a tellement la masse.
Et c'est parti. Est-ce que Renka peut se qualifier en underdog sur ce push là, Coca? Ouais, ça passe bien pour l'instant pour Renka. Quoique. Attention, les Bennings qui arrivent au contact des Marines. Ça va péter. Ici, tous les tanks ont été nettoyés. Les Bennings qui sont snipe. Est-ce qu'on peut y aller? Les Marines qui se font repousser. Et en fait, il y avait une quinzaine de Marines qui étaient sur le. Il y avait beaucoup qui étaient pas là. Ouais, qui étaient. Après, qui ont bien géré la défense dans le même temps. Non, mais même dans le push, ils étaient aussi sur le côté gauche de la fight et du coup, ils ont servi à rien. Du coup, ça s'est passé une fight en plusieurs temps au lieu que ce soit réellement un seul. Ici, on est dans le rouge-orange pour la plupart des Marines, du coup on va pas tenter plus que ça le diable. C'est la redite de la game 1 ça. C'est vrai, il était bien et soudainement... Il était plus bien. Tel un poil. Hop. Est-ce qu'on tente de dropper pour NK? On pourrait peut-être tenter cette option. Ça manque de Medivac en fait. T'as 5 Medivac sur la carte, t'as pas envie d'aller en perdre un ou deux, tu vois. Aller dropper de manière à mettre la pression juste pour mettre la pression. Bah si là tu te dis que tu peux finir la game. Ça F2 avec les gains côté Renka quand même. Hop. Pour que ce Marine qui sorte des racks soit en move click, je peux te dire qu'en a click plutôt. Hop. C'est que ça F2. Ça F2 à mort. Une fois regarde, de plus, hop, c'est repart dans l'autre sens. C'est bien ça. Ça c'est un bon terrain. Hop. Hey. Y'a un. Tu vois. Ma macro et mon F2 vont faire un vrai malheur. Tu vois, ouais. Un petit peu dans l'idée. Putain, mais mec. Combien de Pathfinder, combien de fois il y a eu des shift clicks ici là côté sous spi? Ouais bah il donne tout, hein. Il fait beaucoup d'agressions. Est-ce qu'on split de nouveau son armée pour faire une agression de plusieurs angles? Et allez, ouais, franchement il y a... En fait tour 2 dépôts parce que sinon le tank ne passe pas mais... Non mais je pense qu'il fait un peu exprès. Hop. Coca je te déteste il a dit. Ici on accélère. Je crois que je vais craquer pour l'écran. Hiromi, ça fait deux jours que je lui fais de la vente en direct là. Et tu vois l'écran, tu vois. Un ultra qui tombe, attention les Bane. Ils sont quasiment tous morts. Avec un bon kiting, il peut peut-être la gagner cette fight, c'est chaud quand même. Mais quand même GG Well Play GL. Aïe, GG ça. GG à Soul Spirit, du coup, qui est qualifié. Et pour le moment, du coup, on a un Protoss et deux Zerg. Wow. Sans surprise. Je ne sais pas quoi ajouter à ça. En plus, les deux derniers joueurs sont des Terran, des Zerg et des Protoss, donc bon. Mm-hmm. Sans surprise. Voilà. Tac. Bon, allez. Du coup, on revient dans quelques minutes. C'est quoi ça? UO. Ah ouais. On revient dans quelques minutes, les amis. On se fait un petit break et on arrive avec la dernière rencontre de cette soirée d'Underdogs entre Yogo et King Kong. Ça va être du PVZ sale, ça va être du PVZ cheesy. Vous ne voulez pas rater minutes. Ça. À tout de suite.